bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2 bien évidemment. Et j'espère que vous avez passé un agréable réveillon et un agréable Noël. Et si vous ne fêtez pas Noël, que vous ayez tout simplement passé d'agréables journées et soirées, que vous ayez été gâtés et tutti quanti, que vous ayez aussi mis vos darons à l'abri. Ça c'est très important, frères, sœurs, bref. Tu connais, passe la bise à tout le monde. De ma part, on est reparti dans notre univers de Red Dead Redemption. On est parti pour une heure de vidéo. Et vous savez quoi? Normalement, si tout va bien, demain, on repart encore pour une heure de vidéo. Parce que bah, je dois me rattraper, les gars. Ben oui, on doit se rattraper. Et normalement, ça sera bon. Le compte y sera. En tout cas, quel plaisir de revenir sur Red Dead. Les amis, on s'approche de Nouvel An. On s'approche de janvier. Et j'ai hâte. J'ai hâte parce que mon jeu préféré, Resident Evil 2. Si vous savez à quel point j'attends, non, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Je compte sur vous pour être présent. Ça va être juste incroyable et juste dingue. L'aventure horrifique, le retour. Allez, on va voir aussi à... Je sais pas exactement où il est. Si, je sais exactement où il est. Hey, Arthur. What are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. Allez, on est donc parti, on va vendre l'alcool. Par où passer là? Par où passer? C'est un enfer ici, c'est un enfer. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? Then it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses, and all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe... Regardez comme la vie est magnifique. Magnifique. Ça, ça c'est une vue digne de Red Dead Redemption. Ça c'est une vue qu'on aime et on aimerait en voir plus souvent des vues comme ça. C'est vraiment somptueux. Même en vrai, j'aimerais bien en voir plus. Here we are. Modest little homestead, isn't it? Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay, okay. She's at the house. Ok, on est donc parti direction cette sublime demeure. Je vous tiens à l'œil, t'inquiète. Tiens-moi à l'œil, et du bon. On est parti. On va se poser juste devant. Ça risque de partir en couille. N'oublie pas qu'on flirte un petit peu avec deux clans totalement opposés. Et ça risque de nous coûter très très cher au bout d'un moment. Il va y avoir une guerre, peut-être un choix même. Ça serait plutôt cool en vrai. What you want? Found something. Out in the hills, thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Whoa. Relax, I ain't here to rob you. No, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man.
Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Allez, on est reparti, le saloon de Rhodes. On y va. Here we go. On retourne à Rhodes, aucun souci jusqu'ici. Bon, elle est très bizarre celle-ci. Elle est très bizarre, mais elle a pas l'air bien dangereuse. Donc on va faire un peu de publicité. Ah, c'est un saloon, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans un saloon. Et à chaque fois qu'on a été dans un saloon, par contre, ça part très très vite en couille. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça a donné. On y va. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah. That don't surprise me. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. Yeah. You know how I feel about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Allez, nous voici à Rhodes. Direction saloon. Il a dit, ça risque de partir en couille. Je pense que nos armes sont plutôt bien nettoyées. Merci au fait de m'avoir dit à quoi, dans quoi surtout dépenser les 3 000 $. Le mieux c'est de les garder, très clairement. Et dès qu'il y a des fringues ou des trucs sympas, là on pourra les dépenser sans aucune putain de pression. C'est parti, ça risque de partir en couille. Ok, Fenton, stay calm now. For mama, she loved you so. Prenez l'alcool de contrebande à l'arrière du chariot. Strangle her in a rage, right? Grab 2 cases of that stuff and follow me. Reste de partir en couille très très vite. Maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Ah, je prends. Hop, en plus c'est des petites caisses là, les gars, ça se voit vite ça, les gars. Gentlemen! Gentlemen! Quite the town you have here, we just rode in from up north! Hey! Hello! Hello, I'm Melvin! This is my brother Fenton. Don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of yous. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Just hand out the liquor. Ok, allez derrière le bar, dans le saloon. C'est parti. Ok, c'est pas là de toute évidence, c'est juste ici. C'est moi qui vais faire serveur? Ce serait énorme. Même un mini-jeu, je suis serveur. Oh, j'ai une pipe! Gentlemen! Je veux garder la pipe! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yeah. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work. Yeah. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. Ok. Levez le verre, levez la bouteille. Ok. J'ai rien compris. Levez le verre, levez la bouteille. Ok.
Hop, à l'ancienne, hein. Cité de Marrakech, les frères, ça fait plaisir. Ils ont réussi à faire une sorte de mini-jeu, pas foufou, mais un petit truc quand même. On peut applaudir le move. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est bon, c'est parti en couille, les gars. Ça, c'est une bonne soirée. Ça, c'est un bon dimanche, les mecs. Hey, send a couple this way, will ya? Keep drinking. There's plenty more where I came from, and it's all free. Oh, my wife is gonna kill me. I went out for milk. And keep coming. These souls need some joy. Well, that hit the spot. Keep them coming, Finn. Just keep them coming. Good evening, gentlemen. Quiet libation. You. Me? You're the bastard who stole the liquor we was gonna buy. Gentlemen, we're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. Oh. Ok. Je vois rien, putain de merde. Il est où l'autre? C'est pas grave. Hop, ça part très très vite. Ah putain, il était là. Je le voyais pas. C'était terrible. Il était totalement invisible pour moi. Hop, dans les couilles. J'ai hâte d'améliorer mon sang-froid pour voir enfin les parties intimes. Pour l'instant, c'est du one-shot. Hein. Attends, j'ai quelle arme? Donne-moi le volcanique, jeune malheureux. Ok, suivez aussi. On y va, les gars. Oh, je peux plus. Oh, les gars, le bug! Ok. C'est bon. OCA, c'est rien, frérot. Hop, je fouille un inconnu. C'est pas grave, hein. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Attends. Dis donc, toi. Ah, d'accord. Ok. Le pauvre, il me faisait de la peine. Allez, on y va. Hein. Allez. Oh. Wesh, allô. Non, attends, c'est quoi ce dé... Oh non. Non, ça arrive qu'à moi. Mais... Quoi? Ça dégage. Ça va. Non mais c'est fini, c'est fini. Mais arrête. C'est quoi ce bug? Quoi? Mais... Eh, hey, oh les gars, on va pouvoir rigoler, on va sortir la bimbo. Hein. Ça dégage dans les couronnes. Ok. Ok. Là, on va l'aider. Déjà là, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Ok. Il est juste en haut. J'arrive, 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 j'arrive. Ah non, c'était pas un bug, il était en haut. D'accord, c'est trop bizarre. Waouh! Je rigole. Ça va, calme-toi. D'accord, en fait, il était en haut. Très bien, bah alors, on est posé? Hop, c'est cadeau, c'est du mic qui régale. Voilà, ça c'est fait. Oh! Je lui ai Da Vinci Code. Je lui ai totalement Da Vinci Code. Allez, go. Regarde-moi, mon frère. Hein. Oh non. Attends. Attends. Prendre le chapeau. Voilà, mon pote. Ok, c'était pas un bug. My bad. Oh, il est dégueulasse. Il est infâme. Je vomis. Mais... Oh non. Ok. I'm getting this out of here. Ain't gonna let this go, are you?
Oh, one shot. They got out the back. Got more coming after us. I see them. Well, shoot them then. Damn it, they're still coming. You think we're going to find you? Find us on there. Coming out of the alley. That hit the liquor. Ahead of you. Je vais mourir. Je vais mourir, ça sent pas bon pour moi. Le joueur prend taille. Ok. Ok, ça dégage. Normalement, je tue tout le monde. Ok. Ça va pas péter, voilà. Hors de question que je parte si ça, ça va pas péter. Voilà. Putain, si seulement j'étais sur PC, mon dieu. Ça aurait été tellement fou, je peux sauter. Oh, c'est beau ça! Ah, désolé, hein. Désolé aussi, Osia. C'est pas pour toi. I reckon it's more they don't want another gang on their patch. Okay. Pull off the road here. All right, we're good. Yeah, remind me never to take up a career in, what was it? Advertising. Yeah, you think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to Dutch. So, what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something. Ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy.
Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. La vengeance, c'est jamais fou. Ça mène souvent à des choses terribles. Mais bon, c'est pas grave, je vous propose de manger un petit ragoût et on est reparti pour la suite de notre aventure. Soit on retourne voir Ossia, soit on retourne voir John. C'est parti. Oh non, putain, dépêche-toi. Et j'ai pas le temps pour tes conneries, là. Ça va, voilà, régale-toi. Oh, par contre, il a l'air bon. Hein. Oh, ça a l'air bon, cette histoire. Non, non. Non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Désolé. Désolé, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Je veux pas du café! Ok, on prend du café quand même, ça fait plaisir. Je crois que le café, c'est bon pour le sang-froid. Si je ne m'abuse. Attendez, on va voir ça tout de suite. Ah non, c'est bon pour l'endurance aussi. C'est 100 francs endurance, très bien. Très très bien, c'est même plutôt pas mal. C'est même plus endurance que 100 francs d'ailleurs. Ok, on est parti. Est-ce que je... Ça vaut le coup que je mange un ragoût? Je sais même pas si je peux le manger, c'est très bizarre. Non, j'ai pas l'air de pouvoir manger. Je pense que c'est encore beaucoup trop récent. Alors, où sont toutes ces missions? Bon, on a John qui est forcément... ok, qui est déjà sur place... Dutch vous a dit de retrouver John et Javier chez les Grey. C'est en rapport avec les chevaux de luxe. Très bien. Et sinon, on peut aller directement voir Ossia qui est chez l'adversaire. Dutch vous a demandé de retrouver Ossia et Sean au manoir Braithwaite où ils essayent de s'attirer les faveurs du propriétaire. Pour l'instant, je préfère Caliga. Honnêtement, pour l'instant, je préfère Caliga. Mais après, j'avoue que Braithwaite, on n'y a pas été suffisamment. Donc. Pourquoi pas continuer un petit peu avec Ossia? J'ai pas... Je pense pas avoir le choix. De toute façon, on va retrouver les deux, les gars. On est les pires. On va essayer. Le but, c'est de tous les voler, de toute façon. Attraper les tous, comme disaient certains grands hommes, évidemment. On se retrouve directement devant la mission. Vas-y, lâche-toi au sol, hein. On fera le tri plus tard. Allez, c'est parti! Direction la nouvelle mission. Et Dutch est apparu entre-temps. Dutch qui nous demande de rassembler des infos. On la fera... un tout petit peu plus tard. En attendant, je vais mettre mon pur sang aux grosses couilles. Quelque part par ici, comme à l'entrée. Oh là là, on a déjà ouvert la porte, messieurs. On y va, on y va. Ah, please come in, sir. This way, sir. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We were just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Caliga Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle on earth? Seems a lady can birth monkeys, after all. Ok, il est temps de partir en croisade, les amis. No, I'm driving. Fine. Ouais, bien sûr que je conduis, mon pote. Je suis un putain de conducteur, ok. Même si de temps en temps il m'arrive quelques petits bugs, ça arrive à tout le monde. Explique-moi un petit peu tout ce qu'on va faire. All right, let's get this over. Allez à Caliga Hall. Oh, ok. You were quiet in there. Took everything I had. That son of a horse. I shoved that silver spoon down his throat. I'm pulling it clean out of his arse, the smug fucker. Okay. So what she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep, using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook? No, just snotty old bitch.
Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah, he was giving his usual flannin'. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still, tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. Yeah. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry. I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. All right, then. Yeah. Whoa! Hold up a second. Are you not worried about them Greys, English? Excuse me? You not worried about them Greys? In what sense? Well, they knows you. Maybe you're right. You know what? Here. I'll go hiding back. If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. But I'm not going to go that far. Yeah. Non, tu déconnes. Non, tu déconnes. C'est Keblo. Il s'est Keblo tout seul. Mais comment t'as fait? Non, merde. Arrête, s'il te plaît, joue. Oh là là, il s'est conduit tout seul ici, je le mets... Non... Non, j'en ai marre. Je peux pas quitter le véhicule. J'en ai marre, je vais me foutre en l'air. Je vais me foutre en l'air. Oh là là! Et je fais quoi? Ça me gonfle, ça commence à me gonfler. Je peux rien faire, j'ai appuyé sur toutes les touches du monde. Il y a putain de rien. Non mais sérieux les gars. Bon bah j'ai été obligé de recharger une partie qui va m'emmener longtemps, bien trop longtemps en arrière. Je vous cache pas que j'ai les boules. On se retrouve dans le chariot en espérant que cette fois-ci ça ne bug pas. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles. Il n'y a rien à faire. J'étais bloqué à l'intérieur du chariot. Je pouvais plus rien faire. C'était terrible. C'était terrible. Allez, à tout de suite. Je suis un petit peu saoulé de ce petit bug, mais c'est pas grave, ça arrive. Oh, hold up a second. You not worried about them Greys, English? Excuse me? You not worried about them Greys? Allez, on est donc reparti là où on en était. Bon, c'est que 10 minutes de perdu, c'est pas bien grave. Je vais dans la calèche, n'est plus moi qui dirige. Ah, d'accord. Ok, bah cette cinématique, on n'a pas eu le droit de la voir. Très bien. C'était donc bel et bien un bug. Voilà, 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 voilà. C'est pas grave. Ça arrive. Ça m'arrive. Juste un peu trop souvent, je pense. Ok. Là, on va pouvoir maintenant vraiment voir ce qui se passe, étant donné qu'il va se passer quelque chose. Forcément. We're here. Stay out of sight. I'll do the talk. Hey, hold it right there. What you want, boy? There was a thing. At the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say? Yeah. They said you'd understand. Some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, okay. They said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Have a drink. Sean.
Hamish. Good to meet you, Hamish. Fine bit of country you've got here. And not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Just over here. Yeah, straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. A bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half. Just in there. Right you are. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Éliminer la garde. Silencieusement, on va attendre qu'il bouge. Okay. Real fancy places they was, ouais, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all. Alors éliminer, ça veut dire je peux tuer. Normalement, de l'éliminer, c'est kill possible. Donc c'est kill possible. Yeah. Okay, yeah. Ok, ça c'est fait. How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine. And then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained. And that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. We'll burn quietly. Ok, on est parti. Attends, je peux pas venir. Attends, on va essayer de cavaler un petit peu. On va rester là. Normalement, on me voit pas. Alors, dans des fougères, on me voit totalement. Là, il y a un putain de chapeau et un bout de fusil qui dépasse et aucun souci. Faut que tu m'aides, hein. J'ai pas. Vas-y, je te laisse passer. Ok. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Just let me deal with our friend here. Oula, tu me fais peur. Vas-y, je te regarde. Go on. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. Arroser les champs de tabac. D'alcool de contrebande. Ok, maintenant on est parti, je pense qu'on peut courir un petit peu. Verser. Ah merde, putain, mais quel connard. Bah ouais, mais il n'y a plus de tabac ici. Ok. Si vous vous cachez dans les plantes à tabac, les gardes vous verront moins facilement. Ça va être suffisant pour vous. À savoir saisir. Putain, c'est long ici, dis donc. Il y en a beaucoup, hein.
a beaucoup. Pas trop comment faire. Est-ce qu'il va faire demi-tour? Comme par hasard. Hey! Someone there? Ok. On a fait une diversion au propre. Allez, c'est parti. On verse calmement. On va se rendre sur la gauche par la même occasion. Jusqu'ici, on s'en sort plutôt pas trop mal. Plus que deux, les gars. Plus que deux, on est bon. GG. Ouais, je me dis GG. Bah les gars, vous allez pas le faire pour moi, donc autant que je me félicite. Putain, imaginez ce jeu sur PC. FPS illimité, graphisme, tu montes en 2, 4K au calme. Oh, ce serait incroyable, juste incroyable, vraiment. Alors, on va finir ce champ, il en reste plus qu'un. Oh, je vois pas ce qui se passe. Se barrer discrètement peut-être. Allez, voilà, c'est le dernier. Ok. Retrouver Sean à la grange, qui est comme par hasard, évidemment, à l'autre bout du monde. Foc, foc, foc. Au calme. Pas trop de soucis jusqu'ici. Maintenant, la grange, elle est où, les gars? Voilà. Elle est là. Il y a que des granges. Ok, aucun souci. On y est. On va ressortir le cut. Ok, très bien, il l'a tué. Je crois qu'il l'a tué. J'en suis même quasi sûr. Ok, mon bro. On va le fouiller. On sait jamais. Incendié, très bien. Putain. Ok. Bloqué. Jusqu'ici, pas de soucis. Bon, on va se la jouer à quoi? On va se la jouer comme ça. Ok. 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 Ouais, je suis totalement pas à couvert, hein. C'est ça avant tout le plaisir de Red Dead. Ça dégage. Ok. Il y a tout qui brûle. On avance un peu. Ça c'est fait. J'en perds toujours mon chapeau avec ces conneries, moi. Hein. Ah, je suis près de toi, je suis près de toi, mon gros. Hein. Oh là là, tout ce tabac qui brûle. Par contre, la qualité, lumière et tout, incroyable, incroyable. C'est vraiment un kiff. Ah oh bah, qu'est-ce qui se passe? Ça pète un cap, je suis désolé. Ça dégage, headshot. Ok. Didn't tell you there'd be an army of them?
They didn't tell me nothing. Ok, je vois personne moi en fait là. C'est fait. Ah, j'ai cru que j'allais brûler. Ok. On voit rien, là c'est à l'aveugle. Hein. Là c'est totalement à l'aveugle. Oh, y avait un chapeau! Ok, c'est bon, on a des chevaux. Ok. Hop, on va les étudier. Hein. Allez, allez, s'il te plaît. Putain, c'est pas le bon cheval, y'a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh non. Oh non, pas encore. Non, pas encore. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Allez, on y va. J'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Oh, c'est tellement beau par contre, c'est tellement stylé. Oh putain, ce que t'as pris mon pote. Avance! Merde! Ok, on est rentré, on est reparti, tout s'est bien passé! Aucun problème jusqu'ici. On va pouvoir y aller. GG ça, les gars! Jesus! That turned into a right party! You call that a party? That Braithwaite had got our money's worth, Harley! Let's just get out of here first! On va voir ce qu'elle va nous dire et surtout on va voir est-ce qu'elle va vraiment nous récompenser. Je l'espère, j'y crois. Ouais, mais vas-y plus vite, c'est pas normal que j'aille plus vite que toi, frérot. T'es fort. Hop, on va ranger l'arme. I think we lost him. Yeah, we did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. Yeah. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Sure. Oh là là, butin total 300, 233 dollars, excusez-moi du peu. Incroyable, encore une fois, vous pouvez conserver un cheval sauvage en l'attachant au camp. C'est pas mal, bah, il est plus sauvage. Est-ce que par contre c'est un bon cheval? J'en ai aucune fichue idée. Hop, on va l'attacher au calme. Et si ça se trouve c'est une tuerie, hein. Ça se trouve c'est une bête le mec. Hein. Peut-être un pur sang. Hein. Afficher les infos. Ok. Maniement lourd, accélération. Très bien. Ouais, je sais pas si ça vaut pas. Ça vaut peut-être pas mon cheval. Je pense pas. Regardez mon cheval comme il est beau. Non, on est loin, on en est loin. Non, mon cheval, je vais le garder tout le jeu. Allez les gars, on va voir Dutch. On est reparti pour une nouvelle mission. Quoique, on peut faire la mission d'en face, normalement. Ah non, bah oui, elle a disparu. J'avais le choix. Eh bien, il ne reste plus que Dutch, les amis. On va voir Dutch un petit peu ce qu'il a à nous dire, le bro. Parce que Dutch, c'est le sang de la veine du chihuahua. Dutch, j'arrive! Putain, mon chapeau! Bien, il est sur mon cheval. Je récupérerai tout à l'heure. Aucun souci. N'oubliez pas qu'on attend que la barbe pousse encore. Vous avez mangé du ragoût récemment? Ouais, ouais, quand même, les gars. C'était il y a 2-3 épisodes, les frérots. Faites un effort. Pas très Arthur. Sympa. Hein. Arthur. J'arrive, j'arrive, Dutch. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je sais que tu m'aimes. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating.
So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Allez voir Charles. C'est parti, j'y vais mon Dutch. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, quoi qu'il arrive. Normalement, il y aura plus de champ de tabac pour les Grey. Ah, j'avais une petite préférence pour les Grey, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop été voir le camp d'en face, donc pourquoi pas en vrai. Come on. Okay. Affaire en ville, ça m'arrange parce que je vais pouvoir retirer la prime de 120 boules sur mes côtes, ce qui est très très chiante, mine de rien. Donc c'est parti, on va retirer cette prime et on va monter à dos de pur sang, évidemment. Vas-y, mon bro. Oh, il est beau. Attends, j'ai envie de le brosser. Ne bougez pas. Regardez, normalement, il va perdre pas mal de poussière. Aïe, il a traîné dans le ghetto un peu ces temps-ci. Voilà, toute la poussière. Ça, c'est un bon cheval. Ça, c'est un bon cheval. Et peut-être le caresser. Voilà, lui faire un petit kiff, tiens, dans ta gueule. Allez, go. On est bon. Let's go if we're going. Chevaucher jusqu'à l'endroit où se trouve Trelawney. Je pense que ça se prononce comme ça. Where are we going? Quoi. C'est parti. Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight. Dutch calls it. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters. Alors, j'aimerais juste récupérer mon petit chapeau. Il est où? Mon chapeau, mon plus beau chapeau. Mon chapeau. C'est le plus beau. Il est là, mon chapeau. Voilà, mon pote. Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's a strange one. Whoa! Yeah! Ok, nous sommes arrivés, mesdames et messieurs. C'est mardi. C'est d'ailleurs là qu'il y a le négociant. Enfin, pas loin, il y a un négociant. Prendre pommade. Oh, je prends pommade. Utilisez l'œil de lynx pour trouver des indices. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. This food barely touched. Qui est la roulotte? Très bien. Alors attendez, j'ai un petit souci par contre sur l'œil de lynx. J'adore, hein, j'adore les lynx. Mais... Ah putain. Mais je me souviens plus de la touche en vrai. Soit je suis totalement débile. Bed's not made, so he must have been here recently. Ok, on va prendre... You see anything there? Lire. Certificat de la compagnie minière de Tacitus Kilgore. Ok. Found anything? Très très bien. Pour l'instant, toujours rien. J'ai une pomme, je peux la prendre, ça c'est pour le cheval. Pour Tornade. On pense toujours à Tornade dans toutes les big situations. Struggle. Pretty recently, I'd look, say. I guess tracks. Maybe 12 hours come ago. On. But no body? Okay, vous embrouillez pas les gars. Not yet. What? On s'embrouille. Ok. They went down the path here. C'est bon. Ok, on est parti. How's your tracking these days? All right, I guess. Ah, mais oui, c'est L3 plus R3. Well. Voilà lead the qui way, explique then. Tout. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in.
kid. No? Normally scams himself into the best hotel in town. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah. I still ain't sure. About that. Whoa! I have a little... voilà. C'est bon, il n'y a plus de soucis. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi es-tu descendu du cheval sans que je te le demande? Ah, d'accord. Très bien. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here! Come here! What? Attends! Hey, mais... Arrête, wesh! Okay. Putain, j'appuyais... C'est terrible! J'appuyais sur moi, ça faisait rien! J'ai pris une première patate gratuite, hein. Je peux vous dire que je l'ai très mauvaise, hein. Ça dégage. Bolos. J'ai envie de sortir un gun. C'est bon, tu t'en sors? Interroger. Et ben voilà. C'est parti, c'est à moi. It's Trelawney. I don't know anything. T'es sûr? Je vais pas en arriver là? Mais bon. Hop, c'est bon. You go to hell. Ok. Hop, voilà. Tell me now, you son of a bitch. Okay. Okay, for Christ's sake. They took him to a cabin. Over by the cornfields. Près des champs de maïs dans une cabane. Très bien. Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Près du manoir. Hop, tiens, ça c'est cadeau, ça. Hop, ça c'est encore cadeau. Et ça c'est parce que t'as pas liké la vidéo. Hein. Là, évidemment. Oh putain. Ouais, bah oh, hey, les gars, ça va, il y aura pas de preuve comme ça. On va le fouiller. Alors, qu'est-ce que t'avais sur toi, mon frérot? Merci. On est parti, les gars. 23. Non, 23 cents ou 23 dollars? Non, 23 cents. 23 dollars, ça m'étonnerait vraiment. C'est parti, les gars. Champ de maïs près des Braithwaite's. Yes. I've spent enough time there. After you, then. Hold! You okay? I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talks, I'll goddamn find out what he said. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learn that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent, keeping fish on the line.
Okay, on est arrivé. The thing is, after that shack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Is that the lot of them? I think so. So you're alive? Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Okay, go get them, Arthur. I can handle this. Allez, on est parti! Okay. Attendez, 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 attendez. Ok, ok, ok. Là, ça va être boucherie charcuterie, hein, rien à foutre. Hein. Préparez-vous, les gars. Ok, éliminer les chasseurs de primes dans le champ. Très, très bien. Putain, mais qu'est-ce que je fous? Je suis débile ou quoi? I will find you, bastards. Mais je suis totalement débile. En plus, le mec, je l'ai marqué, tu sais. Ils vont s'enfuir. Ok. Ok. Je vois personne ici. Ok, j'en ai vu un, mais il est point mort. Come on, where are they? God damn these sons of bitches. Putain, mais les gars, c'est un Où est Charlie ou quoi? I think there's one over here. Ok. C'est totalement un Où est Charlie, hein. I'm telling you now. You boys ain't leaving here. Il joue avec mes côtes. We know who you are and we're coming for you. Okay. Go that way. Where are you? Putain, mais c'est pas vrai. Je suis claqué, bordel. Je suis nul à chier, putain. Casse-toi. God damn these sons of bitches. Mais c'est pas vrai! Pardon. You wait till I find you. Ok. Putain, il était temps, hein. J'étais débile, hein. C'est terrible. Terrible quand je suis comme ça. Terrible. Ah, j'ai aussi envie de me sabattre, les gars. Hein. Ok, j'ai. Ouais, j'ai compris les oiseaux quand vous avez pris Einstein. Attends. On va le fouiller. Il doit avoir des trucs cool. Par ici. Hey, something on the ground over here. Okay. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? What? Je vois des choses un peu partout, c'est terrible. Ah! He's mine! Let me take him, and get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Come on. Oh, j'ai eu chaud. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Shit. Ah! Ok, c'est que le début, les gars.
C'est que le début, on est parti. J'ai eu très très chaud. C'était prévu, hein. C'était prévu. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre manière. Game Daniel! Ok. Je vais arriver là-dedans, ça va être terrible. Ça dégage. Bah voilà, bah pas de soucis là-dedans. Regardez, on va même le fouiller. J'en ai pas perdu mon chapeau pour une fois. C'est plutôt cool. You all right? Yeah. Hey, casse-toi. Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery fella. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. So. Attendez. If I heard. Sure. What's government agents and bounty hunters to us? I hope you're right. Attendez, 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 attendez. Là, il y a trop d'histoire là. Ça a pas du tout. Ah ouais, non, il y a trop d'histoire là. Je sais plus avec quoi jongler. C'est pas grave, on va partir avec cette configuration, elle me paraît pas mal. Arme rare, elle était jaune sur la carte, donc c'est plutôt cool. C'est parti, direction le cheval, je suppose, et on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, dans quelques minutes, et franchement l'épisode aura duré plus d'une heure. Ça fait plutôt plaisir pour une reprise, et l'épisode suivant durera aussi plus d'une heure, ne vous en faites pas. En plus, je crois qu'il y a une longue vue. Well, he's still here, at least. Put your feet up, why don't you? Salut, mon bro. You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but... Well, even that ain't the way I remember it. S'arrêter là, mission complete. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire et je vous dis à demain normalement si tout va bien pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption. Bisous tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.